Je m'appelle Fabienne Chiche et je travaille au sein du service perruque maquillage de l'Opéra Bastille depuis maintenant plus de 20 ans. Je suis responsable de production, c'est-à-dire que j'ai en charge dans la saison 4 à 5 productions. Nous sommes 15 personnes dans cet atelier et très souvent nous engageons des intermittents du spectacle pour nous aider quand les productions sont importantes. Est-ce qu'il y a dans notre métier une liberté créative? Oui, bien sûr. Mais on est avant tout des techniciens au service d'un costumier, d'un metteur en scène. On nous apporte des croquis, des maquettes qu'on doit suivre. Parfois, on nous demande de proposer des prototypes, de faire des essais. Et là, effectivement, il y a une grande part de création. En France, il y a plusieurs écoles. En ce qui me concerne, j'ai étudié en Allemagne. C'est là que j'ai été formée. Et nous sommes plusieurs dans cet atelier à avoir été formés en Allemagne parce que la formation est complète. On y apprend le maquillage, la coiffure, les effets spéciaux et la perruque, évidemment, la fabrication de perruques. En France, on a quelques écoles qui sont aussi de très bonnes écoles. Mais il faut toujours compléter. On n'a pas, comme dans les pays alémaniques, des formations aussi complètes. Toutes les personnes qui travaillent ici sont polyvalentes. Elles sont maquilleuses, elles sont coiffeuses, elles sont perruquières et pour la plupart, elles ont des notions d'effets spéciaux. En fait, même plus que des notions. Il faut savoir fabriquer un faux crâne, des cicatrices, travailler avec le sang et les différentes matières. Pour fabriquer une perruque, on a besoin du croquis du costumier ou du metteur en scène, des dessins ou des recherches qu'on a fait avec lui. C'est seulement à partir de cette base qu'on va élaborer la fabrication, qui va être différente suivant les coiffures qu'on va faire. Le costumier est très souvent présent. Ils viennent dans l'atelier et ils regardent un peu le travail qui se fait. Ils donnent des indications au fur et à mesure que le travail se fait. Pour fabriquer une perruque, on considère qu'on a besoin d'une dizaine de jours. On part de la fabrication de la monture, on passe par l'implantation et la coupe à la fin sur le soliste ou sur le chanteur ou sur le danseur. On fait en sorte que la personne qui va fabriquer la perruque fasse l'essayage et fasse également la pose durant la production. La plupart des perruques sont fabriquées en cheveux naturels. Les techniques, elles évoluent, mais les bases restent les mêmes.
Il est nécessaire de parler l'anglais, ça c'est évident. L'allemand, parce qu'on a beaucoup de chanteurs allemands, beaucoup de metteurs en scène allemands, beaucoup de costumiers allemands. Ensuite, l'italien, c'est encore mieux parce qu'on a aussi beaucoup de costumiers et de chanteurs italiens. C'est important, c'est important. Et on le dit à toutes nos jeunes, on leur dit, apprenez les langues.